Vu le monde. Alors toi tu fais. Qu'est-ce que tu fais toi? Gros, il a Dashin, je suis désolé mais. Putain de merde. Bon bah c'est bien Kata, franchement très content encore une fois de jouer contre ce perso. Pas du tout joué ces derniers temps. Quoi, jungle déjà, c'est ouais Diana putain. What? Pourquoi ça cancel l'auto? Nice. Good job. Normalement, j'ai le temps de back. On part direct là-dessus hein. Full aggro hein. Je ferai mon Tiamat après. Oh. Oh merde. T'as pas ton Z? Ouais. Ok, la Romain stand top. Elle va perdre tellement d'XP.
Dommage que ça touche pas, parce que là... Je sais toujours pas si le perso, t'as besoin de le jouer potion de corruption en early. Je pense que là, au lieu de bouclier d'orange, j'aurais dû jouer potion de corruption. Ok, je préviens que là, il y a SS. Putain, mid lane c'est plus simple que ce que je pensais. Oh. Ah dommage. Je pensais que ça allait passer. J'ai pas encore la maîtrise du timing, mais ça va venir. Quel perso de con. Malheureusement, je n'ai pas d'ulti. Voilà, déjà ça quoi. Elle veut tellement me tuer là. J'ai économisé mon mana. J'ai concédé quelques CS, mais j'ai mon ulti. Je pourrais la tuer. J'ai mal fait la belle. Il faut que je garde en fait mon ulti pour la cancel. Ok. Voilà. Ah, ça se sentait hein, quand elle voulait mon cul. Hein. Là, le plus important dans ces cas-là, c'est vraiment pas perdre son calme et bien attendre. Je voulais juste que sa dague apparaisse à un endroit près du mur. Et je cite. Bon, je perds pas trop mon temps sur les plates là, j'avoue que... Pour l'instant, je pense que le plus important...
Ah, quoique, attends. C'est combien déjà les mobiles maintenant? Ouais, je vais faire direct. En fait, là, ça va être mon timing pour Rome. Alors, j'adore Dark Harvest, mais je trouve que la rune manque un petit peu de burst en ce moment. Je sais pas ce qu'elle veut, elle, mais... Je sais pas ce que tu veux, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que les joueurs de Kata ils sont tellement habitués à stomp leur lane que dès qu'ils se font défoncer, ils savent plus quoi faire et à part fight, ils savent pas faire autre chose. Ok. Je m'excentre un petit peu sur ce côté là parce qu'on sait qu'elle est quelque part par là. Free to play. Oh alors toi par contre tu me dash in. Oh! Si, hein. Oh putain de merde. Ah mon dieu. C'est Diana qui a récupéré le shutdown, ouais. C'est un Sion top létalité, bon. Nice, au moins ils prennent pas la tour avec le Herald. C'est cool. Bon, même si elle a récupéré 2 kills, de toute façon, elle va quoi? Elle va back pour... peut-être Pistolam, là? Non, je pense pas qu'elle l'ait déjà. Même si elle a pris 2 kills, là. Je freeze la wave. secondes mon ulti. Je pense que je peux la tuer... Parce que là, elle va 100% se dire « Ouais, c'est bon, je peux fight. » Aïe, aïe, aïe. Not broken. Allez, allez, allez. C'est complètement con, hein. Je sais pas, elle devrait comprendre depuis le début que, genre, tu te colles contre un mur, c'est terminé. Mais non. Visiblement, ça aime récidiver dans le coin. Ouais, par contre, j'adore ce perso, c'est incroyable. Je pensais vraiment pas que le truc était aussi agréable à jouer. Mmh.
Le truc c'est que botlane ils font leur vie hein. C'est un putain de Jax support, je viens de le remarquer que maintenant hein. Ok, le Corki est avec nous. Ah non, il est contre nous, merde. C'est un Corki ADC, c'est vrai. J'ai vu un nouveau build coréen d'ailleurs. Enfin un coréen, bon, c'est encore un build à la Manamune hein. Vous faites pas d'idée, ça a rien d'innovant. Mais en vrai ce serait cool si le perso revenait dans la méta. Je vais décaler parce que... Ouais. Oh 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 oh, alors ce dashing gros. Après Diana ça reste beaucoup plus fort. Alors là on attend. J'attendais juste qu'il mette son Q pour à travers lui en fait, c'est juste ça. Il est trop agréable à jouer le perso, c'est un délire. Alors, vous allez me permettre de faire juste un petit truc. Toc. C'est parce que j'ai oublié, avant de lancer ce record, que fallait que je fasse de la place sur mon PC. Et j'ai pas envie que l'enregistrement se coupe encore une fois. Parce que vous savez, ça c'est ma grande spécialité. Elle a vraiment rage quit. Je suis content parce que vraiment genre en ce moment j'en ai marre juste des... J'en ai juste marre des OTP kata en normal game quoi. Et là je vous signale que c'est de la blind hein, parce que normalement son perso se fait insta ban. Donc let me split push. Il veut vraiment split push. Ok hein. Putain, Immobi ça reste complètement broken, hein. Même après le nerf des golds. Hein. Ok. C'est vrai qu'il joue létalité, le con. En fait, maintenant, le seul truc que j'ai besoin d'apprendre sur le perso, c'est comment le jouer en jungle. Et viens face check le bush là. Bon, je me suis tourné sur la Annie parce que je pense que j'aurais pas pu tuer la Diana. Il ping la Annie. Bon. En fait c'était wardé. Bon je pouvais m'en douter en vrai. C'est vraiment insane putain les dégâts du perso quoi. Bon le Corki là aussi. Alors normalement c'est Manamune first item hein. J'ai vu que c'est pas Trinité comme t'aurais l'habitude de le faire pour un ADC normal. Enfin pour Corki à l'évidence parce que et pour l'instant je la joue bien mieux mid lane que que jungle. Ou alors toi. Ah
Alors j'ai un peu d'herbe sur l'action. Mais en fait je pensais que mon auto-attaque était un petit peu plus grande que ça. Enfin ma range surtout. Donc pardonnez-moi si j'ai brûlé vos yeux. Et on va faire ça. Coming Jax. Ah bah ça c'est vraiment pas de chance. On ne le lâche pas. J'ai mes Bobby qui ont proc. Ok. Ouais non, vu le monde. Alors toi tu fais. Qu'est-ce que tu fais toi? Gros, il a Dashin, je suis désolé mais. Ah par contre me creep. Ah c'est con, c'était wardé bro. Il est où? What? Attends, il a. Ah mais si, mais il a dû prendre la plante. Ah non, c'est Ezreal. Ah, oh, elle veut pas. Allez, ça y est, il remet ça. Oh là là, cette destruction. GG wellplay IDC sex. Ah, vous voyez, pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Pour une fois que c'est pas moi qui le dis. Oh là là, mais il est trop agréable à jouer. Putain, c'est un délire, le champion. C'est un putain de délire. Je vais honorer Ezreal parce qu'il a quand même joué. Il a quand même, sur la champion select, il était dernier. Il a quand même accepté de jouer ADC. Alors que je pense que c'est clairement pas son main role. Qu'est-ce de Bezer Jax, oui. Je regarde vite fait son profil. Hein. Alors, je pense pas que ce soit. Déjà, c'était un Smurf. Et qui joue apparemment beaucoup Kata. Donc, elle devait sûrement être OTP Kata sur son vrai compte. Alors, regardez ça. Regardez-moi ça. En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous regardez cet historique. À partir du moment où une Katarina, une OTP Katarina, ne gagne pas sa lane, elle derpe complètement et elle peut plus rien faire. Et à partir du moment où ça bat son champion, ouais, OP champ. Voilà. Voilà, ça c'est les OTP Katarina. Franchement, ceux qui main et qui jouent en boucle ce perso, je vais pas dire je vous respecte, mais. Ah, c'est vraiment une maladie, quoi. C'est vraiment une putain de maladie. Elle sait pas du tout jouer le match-up. A chaque fois, elle dashine sur ses couteaux alors qu'elles sont à côté d'un mur, alors que je joue Qiyana, quoi. Please. Alors apprends à jouer le match-up et après tu pourras ouvrir ta gueule, mais tu fais pas ça en fait. Et ensuite tu oses dire que le perso est OP, non mais voilà, enfin. Enfin voilà, bon franchement je vais me mettre à main ce perso, c'est trop agréable à jouer, c'est incroyable. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis bah on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. A plus.